بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله مرحبا بن سكينة إيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تسوق كونسون إسفاشل نوليف كتاب الوضوء نحن نعلم لو شابيت سيتين من كيسو كي كاس وضوء وكي سيتين جمون بانسي كي سيتين من أكشون لي كاس وضوء نكمانس بابا مسألة سي كونسون لتوبسي سي ان جمون لفين براتيك لتوبسي كي لسوا دكتير كو بيان كي لسوا انفيرميه لا bien qu'il soit celui qui peut être dans la salle d'opération pour l'autopsie, est-ce qu'il y a les cas sur wudu ou bien non? Le comité fatwa de l'Arabie se dit à l'autopsie, peine ni pour faire wudu, ni pour faire roussel, non, il le débat n'a pas fini obligatoire après qu'il finisse faire sa travail. Là. Alors, un docteur, il finit pratiquer l'autopsie, ou bien un infirmier qui peut être dans la salle d'opération, personne de wudu n'a pas cassé, alors si ben national wudu avant de faire sa travail, là, et ensuite de n'a pas le faire, soit là, de peine pourrait faire wudu si de wudu n'a pas fini cassé, naturellement. Et comme ça même, si un jimoun li fin rentre de toilette sans qu'il y fin faire ce besoin, par exemple, il fin rentre de toilette pour faire un travail et ensuite il fin ressortir comme ça même sans qu'il y fin faire ce besoin, est-ce qu'il se wudu cassé ou bien non, zis par le simple action li fin rentre de toilette? Comme les fatwas de l'Arabie se dit, zis rentre de toilette et sortir, ça li pas casse wudu. Alors zis un action, un jimoun li fin rentre de toilette et ensuite il fin sortir, li pe n'a aucun effet lors ce wudu si jimoun n'a pas fin faire ce besoin. Et comme ça même, si un jimoun li fin bain un mayit, est-ce qu'il y a le casse wudu ou bien? Connais, Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, il dit, quand tu as bain un mayit, l'opinion plus correcte, l'eau là, il est plus fort, c'est qu'il y a le casse wudu. Et comme ça même, Cheikh Uthaymin rahimahullah ta'ala, il dit, bain mayit, ça, il n'y a pas casse wudu. Alors, ben hadith qui est authentique, l'eau là, frère Sekine Iman, c'est qu'il peine aucun preuve pour dire, qui, quand nous baignons un maïd, nous wudu vin invalide ou bien nous wudu fin cassé. Alors, comment nous finissons à prendre? Nous basons sur une preuve qui est authentique, une preuve, hadith qui est clair, qui suit depuis Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Nous pas basons sur action, l'oban hadith qui est infondé ou un hadith qui n'est pas authentique. Et comme ça même, si un djimou fin rentre de Kabarastan, est-ce qu'il se wudu cassé ou bien? Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, il dit, si un djimou rentre de Kabarastan, ça n'est pas cassé wudu. Mais ça, c'est une fausse opinion qui peine aucun sou de la charia qui pure. Mais dire, un djimoun rentre de Kabarastan, ça peine aucun l'effet de ce wudu. Certains djimoun finissent dans sa conception-là. Quand on rentre de Kabarastan ou wudu cassé, alors qu'on est frère Sekine Iman, peine aucun préflot-là. Depuis Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et nous, comment nous finissons à prendre, nous basons nos actions, juste nos preuves qui sont authentiques, depuis Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et comme ça même encore, il y a une conception de Maurice surtout pour dire que si un djimoun il finit de la glace, alors ce wudu est cassé. Dans certains djimoun, quand je finis de faire wudu, je ne vais pas guetter de la glace. Est-ce que sa conception est vraie ou bien fausse? Connais frère Sekine Iman, ça c'est une fausse conception. À aucun moment, un djimoun il guette de la glace, ce wudu est cassé. Il n'y a aucune preuve claire, il n'y a rien là. C'est une fausse conception qui un djimoun il finit dans l'islam. Alors, connais frère Sekine Iman, c'est une fausse chose. Nous ne pouvons faire aucun amal là. Et comme ça, encore, frère Sekine Iman, si une madame, tu l'as fini aussi depuis ce sein, est-ce qu'il se wudu cassé ou bien non? Ibn al-Mundhir, rahimahullah, ou ta'ala, lui dire, ben savant, c'est unanime là, le fait qu'il se dilé, il se aussi depuis une madame, ça lui paye aucun effet là, ce wudu. Alors, c'est une madame qui peut aller de ce petit bébé, et il peut donner ce petit bébé boire, alors il ne paye aucun effet là, ce wudu. Et comme ça, encore, frère Sekine Iman, concernant un djimoun, si il a doute concernant est-ce qu'il se wudu fin cassé ou bien. Connais frère Sekine Iman, Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit, peine à wudu excepté si fin ena le dire ou bien fin ena son. Alors, il ne faudrait pas nous retourner vers doute. Il y a certains djimoun, cette victime de waswasa de shaytan. Cette victime de waswasa de shaytan, il y a fois de faire swalat, cette casse swalat basant le doute ou bien de refaire wudu basant le doute. Alors frère Sekine Iman, nous disons, retourne vers ce qui est plus fort. Plus fort, c'est qui ne n'a wudu, mais ne n'a doute, est-ce qu'il wudu l'a fait casser ou bien non. De ce moment-là, frère Sekine Iman, nous reste, l'eau c'est qui est plus fort, l'eau c'est qui nous n'a yakin, c'est qui ne n'a wudu, et nous pas casse nous wudu pour un quelque chose qui ne peut n'a aucun prévu. Ibn Abbas, radiallahu anhu, dit qu'il n'y a pas quelque chose là, jusqu'à qu'il entende, quitte son avec ses oreilles, ou bien il sentit, quitte le dé, avec son nez. Donc, si une personne dit,
pédouté. Est-ce qu'il se voudou fin cassé ou bien non? Dans ce cas-là, il considère lui qui se voudou pas fin cassé. Si une personne il pédouté, est-ce qu'il fin faire voudou ou bien non? Dans ce cas-là, ça dit moun là, il bizarre considère qu'il pas fin faire voudou. Comme ça, comme il fait pas de l'arabie, je dis à le but, c'est qu'il gagne la certitude qui hadith fin sorti de lui n'importe quand il a le moins de doute, ce voudou lui encore valide. Alors, frère, ce qui est mal, dit clair, nous retournons vers ce qui nous a, nous plaisir. Si nous plissions, nous n'avons pas de doute, alors nous n'avons pas de doute. Il ne faut pas nous retourner vers d'autres qui nous doutent fin cassé ou bien non. Alors c'est ça pour une explication pour aujourd'hui. Inch'Allah, demain, nous continuons avec les autres explications. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.